Il s'agit aujourd'hui de la détection nationale U15 pour les jeunes filles donc de 14 ans. Cette détection réunit aujourd'hui les meilleures joueuses francophones de la CFF et leurs homologues de néerlandophones. Et donc l'objectif de cette journée de détection de talents est de constituer le noyau de l'équipe nationale U15 qui sera amenée dans les semaines qui viennent à défendre les couleurs de la Belgique contre les Pays-Bas et ensuite dans un stage en Angleterre. Nous avons donc aujourd'hui 27 jeunes joueuses francophones qui vont défendre leur chance et on l'espère vont pouvoir convaincre. Cette détection est aussi importante pour les jeunes filles des clubs de la CFF puisqu'aujourd'hui celles qui ont eu la chance de participer à cette détection nationale U15 vont être invitées à passer les tests d'entrée pour l'année 2020-2021 du foot élite études de la CFF. Et donc on espère que les jeunes francophones auront brillé aujourd'hui et qu'elles vont défendre leur chance et intégrer l'année prochaine notre centre foot féminin élite études à Liège. Aujourd'hui je suis ici simplement pour prouver que j'ai du talent pour arriver en équipe nationale. Et je crois que toutes les filles aussi ici sont là pour ça. On va faire quelques matchs et tout ça, et après, pour prouver qu'on est là pour jouer, pour montrer que le foot féminin est là pour passer les garçons. Une fois, s'ils me prennent, je serai en équipe nationale. Donc là, on fera des matchs et tout ça, et je montrerai jour par jour que je peux et je formerai ma carrière. Tout simplement un rêve que presque toutes les joueuses qui sont ici ont depuis qu'elles sont petites. Je suis là pour prouver que j'ai les capacités d'aller en équipe nationale.